Le titre du message est Dieu notre forteresse, Dieu notre forteresse. Et on va beaucoup aller dans les psaumes. Si vous voulez aller dans l'Ancien Testament, si vous avez l'Ancien Testament, je vous invite à aller dans les psaumes. On va lire déjà des versets 1 à 6, psaume 18, versets 1 à 6. Parce qu'il y a beaucoup de mentions du fait que Dieu est notre forteresse, Dieu est notre libérateur. Parce que j'intitule le sermon Dieu notre forteresse, mais c'est aussi notre libérateur, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est surtout sur ces deux choses, forteresse et libérateur, que je veux insister aujourd'hui. Et donc il y a beaucoup de mentions de cela dans les psaumes, et notamment dans psaume chapitre 18, des versets 1 à 6 qu'on va lire, qui nous dit « Je t'aimerai, ô Seigneur, ma vigueur, le Seigneur est mon roc et ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, ma vigueur en qui je me confierai, mon bouclier et la corne de mon salut et ma haute tour. Je ferai appel au Seigneur qui est digne d'être loué, ainsi je serai sauvé de mes ennemis. Les douleurs de la mort m'encerclaient et les flots des hommes impies m'effrayaient. Les douleurs de l'enfer m'encerclaient, les pièges de la mort me devançaient. Dans ma détresse, je fis appel au Seigneur et je criai vers mon Dieu. Il entendit ma voix de son temple et mon cri vint devant lui, c'est-à-dire jusqu'à ses oreilles. » Donc on voit ici qu'il loue Dieu, il loue la puissance, la vigueur de Dieu. Et on note au verset 2, il est dit « Le Seigneur est mon roc et ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, ma vigueur en qui je me confierai, mon bouclier et la corne de mon salut et ma haute tour. » Donc en fait, Dieu est notre forteresse, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il est notre force, notre roc, notre libérateur et notre protecteur. Et qu'est-ce que c'est qu'une forteresse ? Une forteresse, j'ai noté que c'est un lieu fortifié, organisé pour la défense d'une ville, d'une région. Donc c'est vraiment un lieu fortifié, quelque chose qui est fort, qui est fait pour justement défendre, et qui est organisé pour la défense d'une ville, d'une région. Il est dit aussi ce qui protège, défend avec force quelque chose ou quelqu'un. Donc une forteresse, c'est quelque chose qui nous protège, c'est un bâtiment physique souvent, qui nous protège et qui permet de se défendre, et qui permet justement d'être préservé des attaques ennemies, d'être préservé de l'oppression, d'être préservé et d'être en sécurité en fait. Donc c'est une place forte qui sécurise. Les personnes se cachaient dans les forteresses, se mettaient dans les forteresses pour être sécurisées, pour être en sécurité. Et bien on va voir dans ce sermon que notre forteresse, c'est Dieu. Dieu est celui qui nous protège, c'est lui qui nous met en sécurité, c'est lui qui nous défend avec force. Donc on peut se réfugier en Dieu. Et on peut prendre l'exemple d'un château. Il y a un château en Suisse, je pense que vous connaissez sûrement, qui s'appelle le château de Chillon, donc qui est vers Montreux, qui est vraiment un beau château. Et j'ai noté une phrase que j'ai trouvée sur internet à ce sujet, où il est dit « Comme flottant sur son îlot rocheux, la forteresse de Chillon, parce que c'est un château, mais c'est aussi appelé une forteresse, est le monument historique le plus visité de Suisse. » Donc c'est vraiment le monument qui est le plus visité de Suisse, c'est ce que j'ai vu sur internet. Et donc c'est un château, c'est une forteresse. Et à quoi servait justement ce château ? À quoi servent les forteresses ? En termes général, à se protéger des ennemis, donc des ennemis qui veulent nous attaquer. Ça sert à trouver refuge, à être en sécurité et à se défendre. Et quand on voit par exemple le château de Chillon, qui est vraiment un beau château, une belle forteresse, quand on voit il y a beaucoup de belles forteresses en Suisse, même dans le monde, on peut imaginer que physiquement on se sent en sécurité dans ces bâtiments. Mais c'est charnel, c'est vraiment un bâtiment physique. C'est une sécurité visible et matérielle. Et ce qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est que Dieu est une bien meilleure forteresse qu'un château ou une forteresse qu'on pourrait voir physiquement. C'est un bien meilleur protecteur, un bien meilleur refuge que notre Dieu Tout-Puissant. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il est dit « Or la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses non visibles. » Donc la protection de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on voit physiquement, on le voit par la foi en fait. Par les yeux de la foi, on a confiance que Dieu est notre forteresse, on a confiance qu'il est notre refuge. Et donc c'est une évidence, l'évidence des choses non visibles. Et donc, la protection de Dieu est bien meilleure que n'importe quelle forteresse physique dans laquelle on pourrait se réfugier. Il ne faut pas oublier ça. La protection de Dieu est bien meilleure que n'importe quel bâtiment dans lequel vous pourriez vous cacher. Parce que la protection de Dieu est celui du Créateur. Et donc, c'est une évidence par la foi. On sait par la foi que Dieu nous protège, même si ce n'est pas visible. On va aller dans psaume 46. Donc, on va aller dans beaucoup de psaumes. Donc, gardez quelque chose si vous voulez vraiment aller dans les psaumes. Psaume 46, versets 1 à 3. La Bible nous dit « Dieu est notre refuge et notre vigueur, un secours très présent dans la difficulté. Par conséquent, nous ne craindrons pas, bien que la terre serait déplacée et bien que les montagnes seraient transportées au milieu de la mer, bien que ses eaux rugiraient et seraient agitées, bien que les montagnes trembleraient à cause de leur gonflement. » C'est là. Et on voit un peu plus loin, versets 10 et 11, « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les païens, je serai exalté sur la terre. Le Seigneur des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre refuge, c'est là. » Donc on voit ici que Dieu est un secours très présent dans la difficulté. Si vous avez des difficultés, si vous vous sentez en insécurité, allez vous réfugier auprès de Dieu. Il est un secours très présent dans la difficulté.
Et on voit ici vraiment des choses qu'on a du mal à imaginer, mais la terre déplacée, les montagnes qui seraient transportées au milieu de la mer, donc c'est des choses incroyables qu'on a même du mal à imaginer. Les eaux rugiraient, seraient agitées, donc bien que le monde en fait part complètement en vrille, bien que les choses seraient agitées dans le monde, eh ben, on sait que Dieu est là, Dieu est avec nous et donc on est protégé. Et c'est ça, il est dit par conséquent, nous ne craindrons pas. Donc quoi qu'il se passe dans le monde, on ne doit pas craindre parce qu'on doit aller se réfugier auprès de l'Éternel. Il nous dit, soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Donc ça, c'est une introduction. L'introduction, c'est vraiment l'introduction de Dieu est notre forteresse. Qu'est-ce que c'est qu'une forteresse? Et on va aller dans plusieurs parties maintenant. Et vous pouvez aller dans Psaume 91, si vous allez dans les psaumes. Et la première partie, c'est que Dieu nous protège. Donc une forteresse, c'est quelque chose qui nous protège. Dieu est notre protecteur. Ce qu'on va voir dans cette partie. Donc Psaume 91, je vais lire plusieurs versets dans ce psaume qui est vraiment un bon chapitre justement sur la protection de Dieu, sur le fait que Dieu est là pour nous, qu'on peut se réfugier en lui. Si vous avez des difficultés et si vous êtes justement en détresse, le 10e psaume 91, c'est vraiment très rassurant. Donc Psaume 91, versets 1 à 4, qui nous dit: Celui qui demeure dans le lieu secret du plus haut restera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en lui me confierai-je. Assurément, il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la répugnante pestilence. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes te confieras-tu. Sa vérité sera ton écu et ton bouclier. Je vais aller un peu plus loin, versets 11 et 12. Car il donnera charge de toi à ses anges pour te garder dans tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Et verset 15, il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la difficulté, je le délivrerai et l'honorerai. Donc on voit ici le fait que Dieu est notre refuge, notre forteresse, c'est encore ce qui est dit dans ces versets. Donc il nous protège des attaques, il nous protège des maladies. Et donc on peut se réfugier auprès de lui, on peut être couvert de ses plumes, on peut aller à l'ombre du Tout-Puissant. Et j'ai souligné, il est dit, ta vérité sera ton écu et ton bouclier. Donc la vérité, c'est bien sûr, c'est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, on peut se réfugier, c'est notre bouclier. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. Donc on peut se réfugier dans la parole de Dieu et la vérité, on sait que c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est la vérité. Donc ce qui veut dire que Jésus est notre bouclier, il est notre écu aussi. Jésus est notre protecteur. Il est là à notre main droite, il nous protège. Et donc n'oublions pas que Jésus combat pour nous. Et donc Dieu nous protège aussi par ses anges. On vient de le voir, car il donnera charge de toi à ses anges pour te garder dans tous tes chemins. Donc ça, c'est une promesse de Dieu. Dieu nous garde par ses anges. Et en plus, il nous dit de garder dans tous tes chemins. Donc, où qu'on se déplace, Dieu sait où on est. Les anges de Dieu nous protègent. Et Psaume 34, verset 7 nous dit aussi, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Et donc, l'ange du Seigneur est auprès de ceux qui le craignent et les délivre. Et donc, en fait, on peut s'imaginer qu'on a une armée personnelle grâce à Dieu. On a une armée personnelle, elle n'est pas visible, mais les anges du Seigneur sont là et nous protègent. Et on pourrait prendre l'exemple de, je sais pas, de quelqu'un d'assez connu. Des fois, souvent, les gens connus prennent des gardes du corps, ils prennent des armées personnelles pour se protéger. Ils veulent être protégés parce qu'ils ont peur que les gens les attaquent. Et donc, on pourrait prendre cette idée du fait qu'on ait une armée personnelle individuelle. Donc, on pourrait se dire, voilà, j'ai des gardes armés, j'ai des gens surentraînés, des commandos, et des gens qui me protègent avec des armes. Donc, dans la chair, on se sentirait en sécurité. Si on sortait et qu'on avait une garde personnelle, on se dirait, waouh, je suis en sécurité. Et bien pourtant, notre garde personnelle est bien meilleure qu'une garde physique et humaine, parce que les humains, on ne sait pas de quoi ils sont capables, et puis ils n'ont qu'un souffle dans leur narine. Ce qu'on a, c'est bien mieux que ça. C'est des anges, les anges de Dieu qui sont bien plus puissants que des hommes, et qui sont au service de Dieu. Donc ils nous protègent parfaitement. Et donc ça, il faut toujours le garder à l'esprit quand vous vous sentez en insécurité, quand vous vous sentez mal. Gardez à l'esprit que Dieu vous protège par des légions d'anges, par des anges, qui sont bien plus puissants qu'une armée personnelle qu'on pourrait voir physiquement. La protection de Dieu est bien meilleure. Et donc ça doit nous pousser à avoir confiance dans le Seigneur et à ne pas craindre les hommes. On ne doit pas avoir crainte des hommes quand on est enfant de Dieu. Dans Proverbe 29, verset 25, il est dit « La crainte de l'homme tend un piège, mais quiconque met sa confiance dans le Seigneur sera en sécurité. » Donc si vous craignez les hommes, ça vous tend un piège. Et pourquoi ça tend un piège? Parce que ça vous porte préjudice. Si vous craignez les hommes, vous allez vous mettre dans des situations, soit vous allez faire ce qui n'est pas correct, soit vous allez désobéir à Dieu. Donc de craindre les hommes, c'est quelque chose qui est mauvais pour nous. On ne doit pas craindre les hommes. On doit craindre seulement Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, la crainte de l'homme tend un piège. En fait, vous tombez dans un piège quand vous craignez les hommes. Parce que par exemple, on peut prendre un exemple, mais si vous êtes dans un groupe et que vous avez peur de dire que vous êtes chrétien, vous pouvez en venir à renier Jésus devant le groupe, et donc vous allez pécher contre Dieu. Donc la crainte de l'homme peut vous tendre un piège, parce que ça va faire que vous allez pécher contre Dieu, par exemple.
Donc on ne doit pas craindre les hommes, mais quiconque met sa confiance dans le Seigneur sera en sécurité. Ayons confiance en Dieu, obéissons à Dieu et on sera en sécurité. Ce n'est pas en reniant le nom de Jésus qu'on va être en sécurité. C'est vraiment en mettant sa confiance dans le Seigneur. On va aller dans psaume 31 aussi, je vais lire encore d'autres psaumes qui nous parlent justement de cela. Le fait que Dieu est notre protecteur. Psaume 31, verset 1 à 3 nous dit « En toi, ô Seigneur, je mets ma confiance. Ne me laisse jamais être honteux. Délivre-moi dans ta droiture. Abaisse ton oreille vers moi. Délivre-moi rapidement. Sois mon robuste roc, telle une maison de défense afin de me sauver. Car tu es mon roc et ma forteresse. Par conséquent, à cause de ton nom, conduis-moi et guide-moi. » Donc on doit prier Dieu pour qu'il nous délivre. On va voir ça dans une prochaine partie, je vais parler de la délivrance. Le fait que Dieu nous délivre est notre libérateur. Et il est dit ici, sois mon robuste roc, tel une maison de défense afin de me sauver. Donc quand on est avec Dieu, Dieu fait une maison de défense autour de nous. Donc c'est bien mieux que d'être caché dans un bunker. On a Dieu autour de nous qui fait une maison de défense, qui nous protège. Il ne faut jamais oublier cela, c'est par la foi et la confiance qu'on met en Dieu, on sait que Dieu est là, il est notre rocher. C'est mieux qu'un bunker. Psaume 27, versets 1 à 3. Il nous parle aussi de la protection de Dieu, nous dit « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qui craindrais-je? Le Seigneur est la vigueur de ma vie. De qui serais-je effrayé? Lorsque les hommes immoraux, c'est-à-dire mes ennemis et mes adversaires, vinrent sur moi pour manger ma chair, ils trébuchèrent et tombèrent. Quand une armée camperait contre moi, mon cœur n'aurait pas peur. Quand la guerre s'élèverait contre moi, en ceci j'aurais confiance. » Donc on voit ici « Qui craindrais-je? Et de qui je serais effrayé? » Ben de personne, parce que quand Dieu est avec nous, on ne doit pas craindre les hommes. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Donc on ne doit pas être effrayé, on ne doit pas craindre les hommes. Même si des personnes viennent, nous attaquent, des ennemis nous veulent du mal, ayons confiance dans la sécurité que Dieu nous donne. Et j'aime bien le verset 3 qui nous dit « Quand une armée camperait contre moi, mon cœur n'aurait pas peur. Quand la guerre s'élèverait contre moi, en ceci j'aurais confiance. » Donc imaginez-vous, seul face à une armée, je pense que c'est assez effrayant de s'imaginer ça. Pourtant la Bible dit « Quand une armée camperait contre moi, mon cœur n'aurait pas peur. » Pourquoi on n'a pas peur? Parce qu'on a confiance que Dieu est notre forteresse. Donc même si une armée venait contre vous, une armée entière, pour vous exterminer, vous tuer, ben vous ne devez pas avoir peur, parce que Dieu est votre confidence, Dieu est votre confiance. Quand la guerre s'élèverait contre moi, donc même s'il vous attaque, en ceci j'aurai confiance. Donc c'est vraiment des versets qui sont forts, qui montrent que quand on a Dieu avec nous, on n'a pas à craindre les hommes. Dieu est notre protecteur, il est notre vigueur, il nous secourt. Donc ça c'est des promesses qu'on doit s'approprier, on doit avoir confiance dans les promesses de Dieu. Et une chose essentielle aussi que je veux vraiment que vous reteniez par rapport à ce message, c'est que même si vous avez peur, parce qu'on a tous peur, on a tous peur à des moments donnés, plus ou moins peur, on a tous des situations dans lesquelles on se retrouve où on a peur, on craint, et même si vous avez peur, et ça arrive, bien sûr il y a des gens qui ont plus peur que d'autres, mais ça arrive qu'on ait peur, bien sûr, et ben on doit toujours faire ce qui est juste, c'est une chose importante à retenir, même si vous avez peur, faites ce qui est juste. Même si vous avez peur dans une situation, alors obéissez à Dieu. Peu importe si vous avez peur, le plus important c'est d'obéir à Dieu. Et bien sûr, on doit travailler à avoir moins peur en étant rempli de l'esprit, parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. On doit prier Dieu pour qu'il nous aide à être plus courageux. Mais même si vous avez peur, faites ce qui est juste. Et on voit avec Gédéon, par exemple, on a l'histoire de Gédéon. Gédéon, il avait peur, mais il a fait ce qui est juste. C'est dans Juges chapitre 6, verset 27, où il nous dit « Puis Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit comme le Seigneur lui avait dit, et il en fut ainsi, parce qu'il craignait la maison de son père et les hommes de la ville. S'il le faisait de jour, alors il le fit de nuit. » Donc on voit qu'il avait peur, il avait peur de faire une action que Dieu lui avait dit, mais il va le faire quand même. Il va peut-être le faire de nuit au lieu de le faire de jour, parce qu'il a des craintes, mais il fait ce qui est juste. Et c'est ça qu'on doit faire. Quand on a peur, on fait quand même ce qui est juste, on obéit à Dieu. Même si vous avez peur, par exemple, vous avez la crainte des hommes, ben faites ce qui est juste. Dans toutes les situations, en fait. Et dans 1 Jean chapitre 4, verset 18, vous pouvez aller dans 2 Timothée chapitre 1, si vous voulez. 2 Timothée chapitre 1, parce qu'après on ira dans 2 Timothée chapitre 3, donc dans le Nouveau Testament. Et 1 Jean chapitre 4, verset 18 nous dit « Il n'y a aucune peur dans l'amour, mais l'amour parfait rejette la peur, parce que la peur cause du tourment. Celui qui a peur n'est pas rendu parfait dans l'amour. » Donc quand vous marchez dans l'Esprit de Dieu, il n'y a aucune peur, parce que vous marchez dans la charité. Et donc c'est ça, on doit tendre vers ça en tant que chrétien. On doit marcher plus par l'esprit, avoir moins de peur, parce que la peur, ça cause du tourment, ça cause des troubles dans nos vies. Donc on doit seulement craindre Dieu. Le seul qu'on doit craindre, c'est Dieu, c'est pas les hommes. Dieu nous a donné l'Esprit Saint. Et justement, dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, qui nous dit « Car Dieu nous a pas donné l'esprit de crainte, mais de pouvoir et d'amour et de bon sens. » Donc Dieu nous a pas donné un esprit de crainte, on ne doit pas avoir peur, on ne doit pas craindre les hommes, mais de pouvoir et d'amour et de bon sens. Donc si on marche par l'esprit, on va justement être rempli de pouvoir, d'amour et de bon sens.
Donc on a le pouvoir de vaincre la peur grâce à l'Esprit Saint. Il ne faut pas oublier que l'Esprit Saint qui est en nous donne le pouvoir de vaincre la peur et de faire ce qui est juste. Donc on doit avoir foi en Dieu et sa protection. Et ça nous pousse justement à ne pas craindre les hommes et à savoir que Dieu est notre forteresse. Parce qu'en tant que chrétien, on sait qu'on aura toujours des adversaires, on aura toujours des persécutions, c'est quelque chose qui est certain. Et si vous vivez pour Dieu, si vous voulez faire des grandes choses pour Dieu, vous aurez de plus en plus d'ennemis, vous aurez des persécutions. Et on ne désire pas forcément ces choses-là, mais on les aura, c'est sûr. Dieu nous le dit, d'ailleurs dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9, Paul nous dit « Car une porte grande et efficace mais ouverte, il y a beaucoup d'adversaires. » Quand vous avez une grande porte ouverte, quand vous allez prêcher l'évangile à beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'adversaires. Il y aura toujours des adversaires parce que le diable veut faire en sorte que l'œuvre de Dieu s'arrête. Il veut justement mettre des obstacles. Donc il y aura toujours des adversaires, il y aura toujours des gens pour venir vous causer du trouble, mais ayez confiance en Dieu. Et dans 2 Timothée chapitre 3, nous dit versets 11 et 12, « Les persécutions, les afflictions que me sont arrivées à Antioche, à Iconium et à Lystre, quelles persécutions j'ai endurées, mais hors de toutes, le Seigneur m'a délivré. Oui, et tous ceux qui veulent vivre selon Dieu en Christ Jésus souffriront la persécution. » Donc on sait qu'on aura toujours des persécutions, on aura des afflictions, la vie chrétienne est difficile. Mais Paul nous montre que déjà Dieu l'a délivré de toutes ses persécutions, oui. Et il nous dit, oui, et tous ceux qui veulent vivre selon Dieu en Christ Jésus souffriront la persécution. Donc on aura des persécutions en tant que chrétien. Et si on veut vivre pour Dieu, il y aura toujours des adversaires. Donc ça c'est sûr. Dans la vie chrétienne n'est pas facile. Et donc, ayons confiance que Dieu nous protège à travers tout cela. Dans Psaume verset 4, verset 8, Psaume chapitre 4, verset 8, il nous dit « Je me coucherai en paix et je m'endormirai, car Seigneur, toi seul me fais demeurer en sécurité. » Donc, ayons confiance en Dieu. « Je me coucherai en paix et je m'endormirai, car Seigneur, toi seul me fais demeurer en sécurité. » Et pour finir cette partie, donc le fait que Dieu nous protège, je vais lire Proverbe 21, 31, dans le Proverbe chapitre 21, verset 31, qui nous dit « Le cheval est préparé en vue du jour de la bataille, mais la sécurité vient du Seigneur. » Donc ça, c'est un verset qui nous montre que le cheval, il se prépare pour la bataille, donc nous, on doit quand même être prêts. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes père de famille, si vous êtes mari, vous devez protéger votre femme, vous devez protéger vos enfants. Donc il faut apprendre à se défendre, il faut avoir un minimum de connaissances de comment défendre sa famille. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas savoir se défendre et qu'on ne doit pas se défendre. Le cheval est préparé en vue du jour de la bataille, donc oui, on doit physiquement être capable de défendre nos proches, mais la sécurité vient du Seigneur, donc c'est Dieu qui nous met en sécurité. Donc quand on, par exemple, si vous êtes un homme et que vous faites des arts martiaux, quand vous vous entraînez, la sécurité viendra du Seigneur. Mais on peut se préparer dans ce sens, protéger sa famille ou avoir une arme pour protéger sa famille. Ce n'est pas des choses qui sont mauvaises, c'est des choses qui sont bonnes pour protéger. Ce n'est pas pour attaquer les autres, c'est pour se protéger et protéger vos proches. Donc même si Dieu est notre protecteur, il faut agir avec sagesse, avec prudence, et il faut être prêt. Le cheval est préparé en vue du jour de la bataille. Donc ça c'est la première partie, c'est le fait que Dieu nous protège. La deuxième partie c'est que Dieu nous délivre. Le fait que Dieu nous délivre, il est notre libérateur. Il faut toujours garder à l'esprit que si des choses difficiles nous arrivent, il y aura toujours des difficultés. Dans la vie chrétienne il y a toujours des difficultés. Alors il faut savoir que Dieu est avec nous et il nous délivre. Donc, comme on l'a vu, il y aura des persécutions, il y aura des adversaires, il y aura des épreuves aussi. Parce que Dieu peut nous faire traverser des épreuves dans notre vie de chrétien. Pourquoi ? Pour nous rendre meilleurs, pour nous éprouver. Ça peut nous rendre une meilleure personne, ça peut nous apprendre quelque chose, ça peut nous conduire quelque part aussi. Donc Dieu peut laisser faire certaines choses qui sont difficiles, voire même très difficiles. Mais il y a un but là-dedans. Si vous aimez Dieu, la Bible dit « Toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu ». Donc même si vous traversez des épreuves et des difficultés, Dieu veut peut-être vous apprendre quelque chose, Dieu veut peut-être vous rendre meilleur ou vous amener quelque part. On le voit par exemple avec Job. Job n'avait rien fait de mal, pourtant il avait des difficultés extrêmes que je pense que jamais nous on vivra de telles difficultés que Job a vécu. Mais il avait confiance en Dieu même à travers tout cela. Et il nous dit dans Job chapitre 23 verset 10, il ne faut pas oublier que Job, Dieu lui-même disait que c'était l'homme le plus juste sur la terre. Il n'avait rien fait de mal et il a été éprouvé, c'est ce qui est dit dans Job 23 verset 10, mais il connaît le chemin que je prends, lorsqu'il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or. Donc les épreuves qu'on vit, les difficultés qu'on vit, gardons à l'esprit que peut-être Dieu nous éprouve pour qu'on sorte comme l'or, qu'on soit une meilleure personne, pour qu'on puisse être plus propice à lui porter du fruit et à aider les autres. Et dans Job chapitre 13 verset 15, donc le même Job nous a dit aussi, « Bien qu'il me tue, néanmoins je me confierai en lui, cependant je maintiendrai ma conduite devant lui. » Je ne sais pas si vous aviez déjà vu ce verset, mais Job nous dit « Bien qu'il me tue, donc bien qu'il mette fin à ma vie, j'ai quand même confiance en lui. » Et ça c'est vraiment un verset fort, même si Dieu
vous tue, même si Dieu, par exemple, permet que vous ayez des choses qui vous blessent ou qui vous frappent, ben, ayez confiance quand même en lui. Parce que Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour vous. Et c'est quand même fort quand on voit vraiment ce que je dis Job, c'est un verset qui est fort. Même s'il me tue, je me confie en lui. Parce que je maintiendrai ma conduite devant lui. Donc ayons confiance en Dieu, ayons confiance en quoi il nous fait, vers où il nous amène, et le fait qu'il nous aime. Toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc on doit se confier en lui. Et si on en venait à mourir pour Christ, alors c'est un honneur. Si vous mourrez pour Jésus-Christ, c'est un honneur, on le voit dans la Bible aussi. Dans Psaume 55, verset 22, je vais lire deux psaumes qui nous montrent justement que Dieu est notre, à notre main droite, qu'il est notre libérateur. C'est Psaume 55, verset 22, qui nous dit « Débarrasse-toi de ta charge sur le Seigneur et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que les hommes droits soient déplacés. » Et Psaume chapitre 16, verset 8, « J'ai toujours placé le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma main droite, je ne serai pas déplacé. » Donc ça, c'est des beaux versets qui montrent que Dieu est là à vos côtés et qui vous libère et vous protège. Dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous a saisi telle qu'il est commun à l'homme, mais Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous êtes capables, mais avec la tentation, il vous donnera aussi un moyen d'échapper, afin que vous puissiez être capables de la supporter. » Donc, il ne faut pas oublier que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous êtes capables de supporter. Donc, s'il y a quelque chose que vous n'êtes pas capable de supporter, Dieu ne vous tentera pas au-delà de cela. Dieu connaît vos limites, il connaît vos forces, il a confiance en cela. Et il dit, avec la tentation, il vous donnera aussi un moyen d'échapper afin que vous puissiez être capable de la supporter. Donc à travers les épreuves, les tribulations, Dieu vous donnera un moyen d'échapper à cela. Et on va voir un exemple justement pour illustrer cette partie que Dieu est notre libérateur. Vous pouvez aller dans Daniel chapitre 6, si vous voulez dans l'Ancien Testament, Daniel chapitre 6. C'est pas loin du Nouveau Testament, c'est dans les prophètes mineurs. On a la fameuse histoire de Daniel dans la fosse aux lions, où on voit justement que Dieu nous libère, Dieu est notre libérateur. Et Daniel avait confiance en l'Éternel, et l'Éternel l'a libéré. C'est dans Daniel chapitre 6, on va lire quelques versets de cette histoire. Au verset 16 et 17, il est dit « Alors le roi commanda qu'on amenât Daniel, et qu'on le jette dans l'antre aux lions. Et le roi parla et dit à Daniel, « Ton Dieu, lequel tu sers continuellement, lui te délivrera. » Et on apporta une pierre qui fut mise sur l'ouverture de la fosse, et le roi la scella de son cachet et du cachet de ses seigneurs, afin que rien ne soit changé concernant Daniel. Donc Daniel, il n'avait rien fait de mal, pourtant il va être jeté dans la fosse aux lions. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait des gens qui l'enviaient et qui cherchaient une occasion de le faire tomber, et qui avaient décrété que pendant 30 jours, il ne pouvait pas s'adresser à Dieu. Et Daniel va continuer à prier parce que Daniel veut plaire à Dieu et obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et donc, le roi qui avait décrété ça est obligé d'appliquer ce qu'il avait dit. Et c'était des hommes malfaisants qui l'avaient poussé à faire ça. Et donc, Daniel va être jeté dans la fosse aux lions. Et on voit au verset 20 à 23 où il est dit « Et comme il approchait de la fosse, donc ça c'est le roi, il cria d'une voix triste à Daniel. Et le roi parla et dit à Daniel, « Ô Daniel, serviteur du Dieu vivant, est-ce que ton Dieu que tu sers continuellement est capable de te délivrer des lions ?» Alors Daniel dit au roi, « Ô roi, vis pour toujours, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, si bien qu'il ne m'a fait aucun mal, d'autant que devant lui l'innocence a été trouvée en moi, et devant toi aussi, ô roi, je n'ai commis aucun mal. » Alors le roi fut extrêmement heureux pour lui, et il commanda qu'on fasse retirer Daniel de la fosse. Ainsi Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucun mal, et notez ce qu'il est dit, parce qu'il avait cru en son Dieu. Donc on voit que Daniel, qui a été traité injustement, il ne fait aucun mal. Qu'est-ce que Dieu va faire ? Il va le libérer. Et donc, on s'imagine, c'est difficile de s'imaginer jeté dans une fosse aux lions. Mais imaginez-vous que Daniel a été jeté seul dans une fosse aux lions. Donc, quand vous vous retrouvez face à des lions, vous dites, ils vont me dévorer. Mais non, ils n'ont fait aucun mal à Daniel. Pourquoi ? Parce que Dieu avait envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions. Donc, on voit que l'ange du Seigneur protège ceux qui le craignent. Vous vous souvenez, j'ai dit ce verset tout à l'heure, mais l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Donc là, on a une application directe d'une promesse de Dieu dans une histoire qui s'est passée. C'est que l'ange de Dieu est venu délivrer Daniel. Même au milieu d'une fosse aux lions, même on pourrait se dire cet homme est perdu. Non, Dieu était là, il a fermé la gueule des lions, il a protégé Daniel. Et ce qui est important à souligner, c'est qu'il est dit parce qu'il avait cru en son Dieu. Donc Daniel avait confiance en Dieu. Et Daniel n'avait rien fait de mal et Dieu l'a délivré de cette situation. Et pourtant, c'est un événement vraiment terrifiant de s'imaginer jeté dans une fosse aux lions. Mais non, Dieu était avec lui. Et en plus, on peut lire après, dans la suite de l'histoire, que Dieu a béni Daniel. Daniel était encore plus béni après. Donc on voit que le Seigneur peut nous délivrer de toute situation. Et cette histoire, ça nous fait aussi penser à une application spirituelle qu'on peut faire à Daniel dans la fosse aux lions. C'est que les lions, on sait que le lion représente le diable.
Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il est dit « Soyez sobres, soyez vigilants, parce que votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, marche alentour, cherchant qui il pourra dévorer. » Donc le diable est là comme un lion rugissant. Et donc on peut faire une application spirituelle des lions qui étaient dans la fosse. Ça peut être vu comme le diable, nous, dans le Nouveau Testament. Le fait que Dieu nous protège du diable. Dieu nous protège du diable et on doit prendre le bouclier de la foi, justement. Si on prend le bouclier de la foi, si on met sa confiance en Dieu, Dieu est là pour nous protéger. Et il nous libère des pièges du diable. Donc ça, c'est dans la deuxième partie. La troisième partie, et je ne sais pas si vous aviez déjà entendu cette expression, mais j'aime beaucoup, c'est « Dieu et moi, on fait la majorité ». Dieu et moi, on fait la majorité. Donc j'ai déjà entendu des gens parler de cela, et je trouve ça vraiment très juste. Mais vous, vous-même, vous seul, avec Dieu, vous faites la majorité. Donc même si vous vous retrouvez avec 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, peu importe le nombre, si Dieu est avec vous, vous faites la majorité. Parce que si Dieu est avec vous, c'est ce qui est dit dans Romains chapitre 8, verset 31, « Que dirons-nous alors dans ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?» Donc peu importe le nombre de personnes qu'il y a face à vous, si Dieu est avec vous, vous faites la majorité. Et dans Jérémie chapitre 6, donc Jérémie qui avait vraiment un ministère difficile, où il allait prêcher la parole dans des époques vraiment difficiles, et au verset 27, il nous dit « Je t'ai établi pour être une tour et une forteresse au milieu de mon peuple, afin que tu saches et sondes leur chemin. » Donc on voit que Dieu a établi Jérémie pour être une tour et une forteresse. Donc on voit que Dieu le protégeait. Et quand justement vous vous levez pour prêcher la parole de Dieu, Dieu fait de vous une tour et une forteresse. Donc ayez confiance que Dieu vous protège, même s'il y a des ennemis, même si vous vous retrouvez face à une armée, Dieu est avec vous. Si vous allez dans l'Ancien Testament, vous pouvez aller dans 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6, avant ça je vais analyser des proverbes. Et on va voir une histoire dans 2 Rois chapitre 6. Et donc dans Proverbes chapitre 18, au verset 10 et 11, il est dit « Le nom du Seigneur est une tour forte, l'homme droit y court et y est en sécurité. Les biens de l'homme riche sont sa ville forte et comme une haute muraille dans sa propre opinion. » Donc j'aime bien ce verset 10, notamment où il est dit « Le nom du Seigneur est une tour forte, donc c'est comme une forteresse, c'est une forte tour dans laquelle vous pouvez aller vous réfugier. » Il est dit « L'homme droit y court et y est en sécurité. » Donc vous savez que Dieu est votre protecteur, l'homme droit, l'homme juste, la personne qui veut vraiment plaire à Dieu et qui marche avec Dieu, elle va courir se protéger justement à l'ombre du Seigneur et elle y est en sécurité. Et on voit justement le contraste avec le verset 11, « Les biens de l'homme riche sont sa ville forte et comme une haute muraille dans sa propre opinion. » Et souvent, justement, on le voit ça de nos yeux, c'est que souvent les personnes riches disent « Voilà, moi j'ai pas besoin de Dieu » et ils croient justement que leur richesse est comme une muraille, que ça les protège, qu'ils se sentent intouchables. Et on pourrait prendre l'exemple, je ne sais pas, des seigneurs par exemple dans l'ancien temps ou même des personnes de nos jours. Si on prenait l'exemple de quelqu'un de nos jours, un homme riche qui voudrait se protéger, il achèterait une forteresse, et il mettrait des gardes de sécurité, il aurait une garde personnelle, il mettrait toute une armée devant sa forteresse, il mettrait un système d'alarme, il ferait tout ce qui est possible pour se mettre en sécurité, il irait se cacher dans un bunker. Donc imaginez ça, vous vous direz « Waouh, il est en sécurité !» Et cette personne justement, cet homme riche, dirait « Mes biens sont ma ville forte, c'est une haute muraille, aucun mal ne peut m'arriver. Et pourtant, il est moins en protection que vous-même sans tout cela. Pourquoi ? Parce que vous avez Dieu avec vous. » Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Si vous avez Dieu, c'est mieux que tout un tas de forteresses ou une armée ou toutes ces choses qu'un homme riche, justement, qui croit qu'il est en sécurité. Non, vous êtes en sécurité quand le Seigneur est votre tour forte. Et quand vous allez courir auprès du Seigneur, et là, vous êtes en sécurité. Parce que Dieu et vous, vous faites la majorité. Dieu et moi, je fais la majorité. C'est quelque chose qu'il faut se dire. Et on a un exemple dans l'Ancien Testament, justement dans 2 Rois chapitre 6, vous avez dit d'aller, qui montre que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. En tout cas, on le voit dans ce passage. Il ne faut pas oublier que si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous ? Donc, dans 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17, donc c'est l'histoire d'Élisée, il est dit « Et quand le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit, voici une armée encerclait la ville avec des chevaux et des chariots. Et son serviteur lui dit, donc il parle à Élisée, « Hélas, mon maître, comment ferons-nous » Donc il voit toute cette grande armée, il se dit « Mais comment on va faire? On n'est que deux. » Et il répondit « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée pria et dit « Seigneur, je te prie, ouvre ses yeux afin qu'il puisse voir. » Et le Seigneur ouvrit les yeux du jeune homme et il vit. Et voici la montagne était pleine de chevaux et de chariots de feu autour d'Élisée. Donc on voit vraiment cette belle histoire. Moi, ça m'impressionne toujours quand je la lis. Mais Élisée dit, voilà, ouvre-lui les yeux, ouvre les yeux de mon serviteur, parce qu'il n'a pas confiance, il n'a pas foi que ceux qui sont avec eux sont plus nombreux.
Et c'est normal parce qu'il est, c'est un être humain, on a tous des peurs comme ça. Mais justement, Élisée avait confiance en Dieu et c'est ça qu'on doit faire. Dieu nous a déjà donné cette histoire, donc on n'a pas besoin de dire à Dieu, ouvre-moi les yeux pour voir si j'ai plus de personnes avec moi. Non, Dieu nous l'a déjà dit ici. Donc c'est pareil pour nous. Le Seigneur ouvrit les yeux du jeune homme et vit, et voici la montagne était pleine de chevaux et de chariots de feu autour d'Élisée. Donc on peut s'imaginer que Dieu nous protège par des chevaux, des chariots de feu. Et en plus, c'est marrant parce qu'il reprend cette notion, on voit qu'il y avait des chevaux et des chariots, donc humains. Et quand Dieu ouvre les yeux du serviteur, il y avait des chevaux et des chariots, mais de feu. Et donc, il y était des choses angéliques, sûrement des anges qui venaient les protéger. Donc, on voit à travers cette histoire que Dieu, là, on voit deux personnes, mais on pourrait quand même se dire Dieu et moi, on fait la majorité. Ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient contre eux. Pourtant, avec nos yeux physiques, on ne pourrait pas se dire cela. Donc, ça, c'est la protection invisible de Dieu, la protection qu'on voit par la foi. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, et c'est le dernier point. Je veux donner des points bibliques et je vous encourage à prendre des notes si vous prenez des notes, mais c'est des points bibliques pour s'assurer justement d'être béni de Dieu et s'assurer une meilleure protection. Parce qu'on pourrait se dire comment je peux améliorer ma protection de Dieu. Parce qu'une fois que vous êtes enfant de Dieu, il n'y a rien qui puisse changer cela. Une fois que vous êtes enfant de Dieu, rien ne vous séparera de l'amour de Dieu, vous êtes sûr d'aller au paradis. Mais si vous désobéissez à Dieu, donc si vous êtes un enfant rebelle, vous êtes toujours un enfant, vous irez au paradis. Mais si vous êtes un enfant rebelle, si vous marchez par la chair, si vous êtes désagréable à Dieu, alors déjà, vous allez récolter ce que vous semez. Donc si vous vivez dans la chair, vous allez récolter des mauvaises choses. Et en plus, Dieu va vous châtier. Donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique que Dieu va peut-être laisser faire des choses difficiles dans votre vie pour vous punir. Parce que justement, vous êtes désagréable, parce que vous vivez dans le péché. Et là, dans ces cas-là, oui, si vous vivez dans la chair, vous devriez avoir peur. Vous devriez avoir peur parce que le châtiment de Dieu, la Bible nous dit dans Hébreux 10, verset 31, c'est une chose effroyable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc on doit craindre Dieu au point justement de se rendre compte que si vous tombez entre les mains de Dieu, c'est une chose effroyable. Donc si vous êtes dans le péché et que vous marchez par la chair, alors oui, ayez vraiment peur. Parce que Dieu veut justement que vous puissiez lui obéir et lui être agréable. Et donc Dieu va laisser faire des choses qui sont difficiles. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5, on voit « De délivrer une telle personne à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit puisse être sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Donc là, c'est vraiment un verset bien si vous voulez prouver à quelqu'un que le salut est pour toujours. Parce qu'on voit que cette personne, son esprit a été sauvé. Donc, afin que l'esprit puisse être sauvé au jour du Seigneur Jésus, pourtant elle est délivrée à Satan. Donc même une personne qui est délivrée à Satan, bien sûr, est sauvée pour toujours. On ne peut pas perdre le salut. Parce que son esprit a été rendu vivant pour toujours. Donc, on voit cette personne qui va être délivrée à Satan pour la destruction de la chair. Et je ne sais pas pour vous, mais je n'aimerais pas être délivré à Satan pour la destruction de la chair. Ce n'est pas quelque chose qui doit être drôle, d'être détruit physiquement. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui va arriver à cette personne, en tout cas je me souviens pas l'avoir vu dans Corinthiens, mais on sait ce que cette personne a fait, parce qu'elle a commis la fornication avec la femme de son père, donc elle a fait un grave péché, et donc elle a été exclue de l'église, et donc elle a été délivrée à Satan pour la destruction de la chair. Et donc Dieu a très certainement laissé faire des choses qui sont difficiles à cette personne, parce qu'il a subi un châtiment à cause de ses péchés. Et donc, justement, c'est ce que je souhaite pour aucun de nous. Donc, je vais vous donner justement des points importants sur lesquels on doit travailler dans notre vie chrétienne afin de s'assurer d'être béni de Dieu. Parce que si vous êtes béni de Dieu, alors je pense que vous serez plus protégé. Dieu permettra moins que des choses comme il est arrivé à ce monsieur vous arrivent. Bien sûr, n'oubliez pas qu'on aura toujours des difficultés. On voit avec Job, donc c'est pas parce que vous vivez des difficultés que c'est forcément un châtiment de Dieu, non, parce que Job n'avait rien fait de mal. On le sait de toute façon, si on commet des péchés, on le sait. Donc souvent il faut justement essayer de se demander est-ce que c'est un châtiment de Dieu ou est-ce que Dieu m'éprouve pour que je sorte plus fort. Si vous êtes en règle avec Dieu, alors bien souvent c'est parce que Dieu vous éprouve, vous avez des difficultés, puis c'est parce que la vie est difficile en général et la vie de chrétien aussi. Mais voilà, donc c'est important de toujours se demander est-ce que j'ai des choses à changer et comment on peut s'assurer justement d'avoir une meilleure protection de Dieu, même si ça sera jamais parfait, on vit pas dans un monde parfait. Donc je vais vous encourager à noter certains points. Le premier, c'est d'être humble. C'est très important en tant que chrétien qu'on reste humble, ne pas être orgueilleux, avoir de l'humilité. Vous pouvez aller dans Jacques chapitre 4. Si vous voulez dans Jacques chapitre 4, je vais lire 1 Pierre chapitre 5. Donc c'est très important de toujours rester humble. 1 Pierre chapitre 5, versets 5 à 8, qui nous dit « De même, vous les plus jeunes, soumettez-vous aux anciens. » Oui, vous tous, soyez soumis les uns aux autres et soyez revêtus d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et donne grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il puisse vous élever au moment voulu.
Jetant tous vos soucis sur lui, car il se soucie de vous. Soyez sobre, soyez vigilant, parce que votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, marche alentour, cherchant qui pourra dévorer. Donc on voit qu'on doit être revêtu d'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne grâce aux humbles. Donc si vous êtes humble, Dieu vous donne grâce, alors que si vous êtes orgueilleux, il résiste aux orgueilleux. Et en plus, on voit dans ce passage, mais on va le voir dans Jacques chapitre 4 aussi, que quand Dieu parle de l'humilité aussi, ici on voit quelques versets plus loin où... voilà, dans le même passage, on voit qu'il parle du diable. Pourquoi ? Parce que le péché du diable, bien sûr, était l'orgueil. Et parce que si justement vous êtes humble, vous avez plus de chances d'être protégé du diable. Parce que justement, le péché du diable était l'orgueil. Donc, jetez tous vos soucis sur Dieu, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. C'est quelque chose qui est toujours important à faire en tant que chrétien. On doit rester humble, on doit s'humilier sous la puissante main de Dieu. On doit lui demander sa protection, ça on va le voir après. Et donc, si vous êtes humble, Dieu vous fait grâce. Dieu donne grâce aux humbles. Et il se soucie de vous. Et dans Jacques chapitre 4, versets 6 et 7, il est dit « Mais il donne plus de grâce. » C'est pourquoi il dit « Dieu résiste à l'orgueilleux. » Donc on voit encore une fois « Dieu résiste aux orgueilleux » ici. C'est « Dieu résiste à l'orgueilleux, mais donne grâce à l'humble. » Donc on voit que Dieu le répète, donc c'est quelque chose d'important. Dans deux passages différents, une fois c'est Pierre qui le dit, une fois c'est Jacques. Et il nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. » Donc on voit cette notion de s'humilier devant Dieu, c'est beaucoup relié au diable aussi. Donc si vous voulez être protégé par Dieu, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, soyez humble, restez humble. Et ainsi, si vous résistez au diable aussi, il dit, il s'enfuira de vous. Donc ça c'est le premier point, c'est être humble. Le deuxième point, c'est de marcher avec Dieu, donc c'est d'aimer Dieu et lui porter du fruit. Et la Bible nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, vous pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous les versatiles. Donc s'approcher de Dieu pour vous... Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Donc si vous approchez de Dieu, il va s'approcher de vous. Donc bien sûr, vous assurez une meilleure protection de Dieu parce que Dieu est à votre main droite. Et comment justement on peut s'assurer de ça? Il dit « Nettoyez vos mains, vous pécheurs. » Donc détournez-vous de vos péchés, marchez saintement devant Dieu. Et purifiez vos cœurs, vous les versatiles. Donc purifiez vos cœurs, c'est-à-dire remplissez-vous de la parole de Dieu. Lisez la Bible, écoutez des enseignements sur la Bible, méditez la parole de Dieu. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes, qu'on doit toujours garder à l'esprit. Et bien sûr, le fait d'aller porter du fruit à Dieu, parce que je pense que si vous vous levez pour Dieu, la protection est d'autant plus forte. Parce que Dieu va vous protéger si vous allez prêcher l'évangile. Dieu protège plus les gens qui portent plus de fruits pour lui. Et on voit justement avec Jérémie, donc j'avais cité Jérémie tout à l'heure, je vais lire deux autres versets qui en parlent, où on voit justement la protection de Dieu sur un prédicateur. Dans Jérémie chapitre 1, versets 18 et 19, c'est des beaux versets aussi sur la protection de Dieu. Il nous dit « Car voici, je t'ai aujourd'hui établi comme une ville forte et comme une colonne de fer et comme une muraille de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses princes, contre ses prêtres et contre tout le peuple du pays. Et ils combattront contre toi, mais ils ne prévaleront pas contre toi. Car je suis avec toi, dit le Seigneur, pour te délivrer. » Donc on voit que Dieu avait établi Jérémie comme une ville forte, comme une colonne de fer. Donc Dieu était là pour protéger et délivrer Jérémie. Quand vous prêchez la parole de Dieu, ayez confiance que Dieu va vous protéger. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc le premier point, c'est d'être humble. Le deuxième, c'est de marcher avec Dieu et donc d'aller lui porter du fruit, de l'aimer. Le troisième point, c'est de prier, bien sûr. Il faut prier pour la protection de Dieu. Dans Psaume 18, verset 3, on l'avait lu, il nous dit « Je ferai appel au Seigneur qui est digne d'être loué, ainsi je serai sauvé de mes ennemis. » Donc priez pour que Dieu vous délivre de vos ennemis, priez pour que Dieu vous protège. C'est important de toujours prier, de se confier à Dieu. Un autre point, c'est d'avoir confiance en Dieu. Et on l'avait vu avec Daniel, il avait cru en son Dieu, donc ayez confiance dans les promesses de Dieu. Et le dernier point, qui est important aussi, c'est de craindre Dieu. On doit craindre Dieu, et je ferai un sermon bientôt sur la crainte de Dieu, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. On l'a vu dans Psaume 34, verset 7, où il est dit « L'ange du Seigneur campe autour de qui ? De ceux qui le craignent et les délivre. » Donc l'ange du Seigneur est autour de ceux qui le craignent. Donc si vous craignez Dieu, l'ange du Seigneur est à vos côtés. Et donc ça, c'est important de toujours craindre Dieu. Et Proverbe 14, 26 nous dit aussi « Dans la crainte du Seigneur, il y a une forte assurance, et ses enfants y auront un lieu de refuge. » Donc si vous craignez Dieu, il y a une forte assurance, et vous y trouverez justement un refuge. Donc augmentez votre crainte de Dieu. Comment on augmente sa crainte de Dieu? En lisant la Bible, parce qu'il y a beaucoup de passages dans la Bible qui justement nous permettent d'avoir la crainte de Dieu. Et craignez le fait que Dieu est tout-puissant, que vous n'êtes qu'un homme en fait, et que justement vous devez craindre Dieu et lui obéir. Donc voilà, en conclusion... On a vu dans ce message, je voulais vraiment que ce soit un encouragement pour que vous puissiez prendre conscience et ne pas oublier que Dieu est votre forteresse. C'est bien mieux qu'un bâtiment physique. Vous pourriez aller visiter une magnifique forteresse et vous dire « Waouh, on se sentira en sécurité là-dedans. » Non, Dieu, c'est mieux encore parce que Dieu est le Tout-Puissant. Il vous protège, il vous délivre. On l'a vu avec Daniel, on pourrait prendre l'exemple de Pierre aussi quand il était en prison. Un ange est venu le délivrer. Les anges de Dieu vous protègent.
Si Dieu est avec vous, vous faites la majorité, qui peut être contre vous? Donc ayez confiance en lui. Et on va terminer par 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3, qui nous dit « Mais le Seigneur est fidèle, qui vous établira et vous gardera du mal. » Donc Dieu est fidèle. Et si vous voulez accomplir de grandes œuvres pour lui, ayez confiance en sa protection et qu'il vous protège de vos ennemis et des adversaires. On va prier. Merci Seigneur, parce que tu es notre forteresse. Tu sais Seigneur qu'on est faible, tu sais qu'on est des êtres humains. Et parfois on a peur, mais je t'en prie Seigneur, aide-nous à faire ce qui est juste. À ne pas oublier qu'on a le Saint-Esprit en nous qui nous donne le pouvoir de faire ce qui est juste, qui est un esprit de pouvoir, d'amour et de bon sens, donc on puisse marcher par l'Esprit, faire de grandes choses pour toi en ayant confiance en ta protection. Et Seigneur, même s'il nous arrive des choses difficiles, alors aide-nous à les traverser. Tu es avec nous dans l'épreuve, les difficultés. Tu veux peut-être nous rendre meilleurs ou nous enseigner quelque chose. Merci Seigneur, ce qui est le plus important, c'est de t'aimer afin justement qu'on ne souffre pas à cause de nos péchés. Parce que là, c'est un châtiment, c'est quelque chose de complètement différent. Je t'en prie Seigneur, aide-nous à marcher avec toi, à prendre conscience de ta protection et que c'est bien meilleur qu'une armée physique qu'on pourrait avoir ou tout autre bâtiment. Tu es là pour nous aider et nous protéger au nom de Jésus-Christ. Amen.